Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
punto de alimentación.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gracias.
Aujourd'hui, dans le cadre de la constitution de la Société constitutionnelle européenne, on parle de concurrence libre et associée qui n'apporte pas de concurrence. Nous avons une relation en matière électorale où on a été éliminés dans le cadre de la traité au moment où on avait fini les institutions, mais a été mis en contrepartie du droit de l'enfance, ce qui n'est pas franchement un problème. Et puis nous avons allé encore plus, puisque d'ailleurs la Société constitutionnelle qui va permettre à l'entreprise de nous. Thank you.
C'est une question qui est très préoccupée et que j'ai rencontrée dans un interlocuteur. Si on ne veut pas être premier rang, une bataille de la justice italienne, dans le rang du monde, en France, il y a la volonté d'obtenir une nouvelle constitution, c'est un point primordial sur le fait de lutter pour une constitution. Parce que tant qu'on n'a pas bien avancé sur cette bataille pour une nouvelle constitution à partir des défauts de ce qu'on constate, eh bien, bien simplement, une dissolution actuelle pour une constituante, c'est se garder un corps constitutionnel, qui a le pouvoir de faire une constitution, qui va nous faire. C'est ça le problème qui est un petit peu provocateur et perturbateur quand je suis avec lui. C'est bien que ça soit un diable, parce que pour la décarbonisation tout à l'heure, je manquais à effectivement, ça c'est un débat. Effectivement, on va discuter I don't know.
Monsieur, comment? Thank you.
avec ce suivi, vous allez voir, il y a trois rapports, on dit que 80% des lois qui passent à l'Assemblée nationale sont issues du droit communautaire. C'est-à-dire ce qui est faux, il est bien moindre, mais c'est celui qui est assez important. Ma question, c'est qu'on a peut-être besoin de se refixer les idées, de savoir comment les droits communautaires influent sur le droit national. Si l'un de vous trois, toi ou ça, pouvez nous redire comment une loi s'élabore, c'est-à-dire elle passe par son premier par la Commission, repasse après par le Parlement européen, qui redescendra au niveau national, et puis après, voilà. Donc, comment se conçoit une loi européenne et comment elle se décline de façon internationale, hein, comment elle se retrouve Gracias.
Thank you.
plusieurs commencent à se faire des constructions également, on va pas tout le temps. Mais c'est un peu moins, il faut qu'on puisse utiliser, c'est à la France, par exemple, et vous avez toujours une administration. Donc, c'est la transposition, je sais, alors qu'est-ce que ça transpose, c'est une série de passeports, 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 Thank you.
parlementaires nationaux, dans les jeux français au Parlement européen, sont parmi ceux qui ont une quinzaine ou une vingtaine, tout petit confondu, ceux qui travaillent le moins, et qui sont parfois les moins puissants. Contrairement aux présents aux Allemands, ils pensent que c'est les Allemands qui ont pris l'accord pour leur groupe, pour tout un petit peu de domaine. Mais au niveau du Conseil, c'est pas bien. Pero la posición de la lista de participación de la ciudad 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 de la ciud
que la votación efectiva un paso hacia todo el mundo. Yo creo que usted dice, no hay un tiempo de decisión de la ley, ni que el tiempo de la ley, como la ley de cosas, un hombre que no lo vuelve a decir. Y si ahora pongo un culo, y de la postura, yo creo que no lo vuelve a decir, de la
accepter ce respect que l'opinion, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais tous les deux de tes constituants, mais par rapport à la réponse de M. Bourgeois, il y a quand même une différence qui est qu'il n'y avait pas de réponse dans la distorsion du processus d'adoption des textes directifs ou règlements. C'est justement le nom de la côté. Il y a les compétences exclusives de l'Union européenne et les compétences partagées. Et bien, dans les compétences exclusives, il y a le Parlement européen qui peut se plaisir en termes de résolution, mais il n'y a rien d'enquête d'espace pour le Parlement européen. Alors, parce qu'il y a des compétences exclusives, il y a des directives et des règlements qui sont prises dans ce cadre-là et qui sont soumises au Parlement et au Conseil dans le cadre de la procédure normale législative. Il y a toujours une certitude de la commission, monsieur le ministre. Ou pas, tout ça parce que je pense que
Thank you.